Ah, quelle belle journée! Il fait vraiment très beau, il fait magnifique même. J'ai fini de bosser, je me suis entraîné, j'ai fait les jambes avec mon grand frère. Du HIIT et beaucoup de cardio. Bah oui les gars, il faut savoir tenir ces 10 rounds de boxe. D'ailleurs, je tenais vraiment à te remercier, à vous remercier, parce que dans l'espace commentaire, je suis agréablement surpris qu'il y ait autant de gens avec du bon sens et beaucoup de gens éduqués. Donc merci à toi, merci à vous les gars. Comme je l'ai dit, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, il y a toujours le revers de la médaille. Les 1% qui viennent m'insulter. Et en particulier, en fait, c'est souvent le même bord politique qui m'insulte au niveau de mon physique en fait, parce que y a aucun argument. Bah oui les gars, bah, vous pouvez m'insulter autant que vous voulez sur mon physique, c'est vous que vous insultez, pas moi. Et auquel cas, bah, je vous dirais oui d'accord, tu as raison. Donc oui, désolé de m'entraîner, désolé de ne pas être comme toi, taille-moi si tu as envie. Bref, aujourd'hui, eh bien, on va réagir à quelques petites actus sur Twitter comme d'habitude, mais avant ça, eh bien, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. T'es prêt? T'es bien installé? Bah super, parce que j'en ai rien à foutre, hein, car nous sommes partis. Let's go! Non, tu sais bien, on aime le sarcasme ici. On est des adeptes et des virtuoses du sarcasme. Allez, on écoute ça. Donc ici, la petite actu, c'est: est-ce que vous pensez que ce Gambien est une chance pour la France? Donc là, ça, à mon avis, c'est un micro-trottoir. Un peu troll, j'imagine. C'est vraiment passé partout. Vous parlez aussi de la montée du Rassemblement national. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est ça aujourd'hui vraiment le danger pour la France? Bah oui, ça peut carrément arrêter en fait l'immigration. C'est juste une mesure en fait cachée qui est foncièrement raciste en fait parce qu'ils veulent supprimer le droit du sol. Pour... Joker les gars, Joker! C'est toujours la même chose, toujours les mêmes arguments, sans fondement. Quoi pour endiguer la migration qui vient de où? D'Afrique? Moi je suis Gambien. Oui? Tu as voté pour qui? Par la présidente. Bordel. On peut pas faire plus cliché. Très bon acteur ce Gambien. Est-ce que vous trouvez que par exemple ce Gambien était une chance pour la France? Bah je pense que ça pourrait l'être. Mais là, comment il est venu s'adresser à nous, non? Ils ont pas du tout les mêmes... Le bug. Bon. Ah, attendez, attendez. Les mêmes normes sociétales, qu'elle va dire. Normes sociétales que nous, donc ça peut créer aussi des... Au niveau des cultures, c'est... Aïe, 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 il commence à avoir le petit bug 404 de notre phone de... Oh, le gars, en deux phrases, avec un micro, et en quelques secondes, vous avez fait bugger leur cerveau. Là, ils sont obligés de dire tout le contraire. Oui, bah, il y a des différences, c'est sûr. Là, c'est mon ballon là-dedans, c'est sûr que... Bah... Quand ce genre de choses-là se reproduisent, vous comprenez pas que certaines personnes disent il y en a marre de l'immigration. Eh ben franchement, j'aime ce genre de vidéo, j'aime beaucoup. Je ne sais pas c'est quel youtubeur, mais j'irai mater la vidéo. Je lui laisserai un gros pouce bleu et un petit like, un petit commentaire hein, pour son soutien et son référencement. Ah, la vidéo est ici. On checkera ça après. Enfin, moi je checkerai ça après. Alors, les commentaires. Encore quelques années de vivre ensemble et elles comprendront alors la réalité et sortiront de leur monde de bisounours. Quand le réel frappe à la porte d'un hypocrite, ouais, les gars, faut pas les insulter sur leur physique, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'insulter sur le physique, nous sommes comme nous sommes, et ben voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on peut toujours s'améliorer, même si dans Fight Club, il disait s'améliorer soi-même, c'est de la masturbation. Quel dégât ces 40 ans de bourrage de crâne à la moraline gauchiste universaliste, pardon. On voit bien qu'il s'agit d'une posture aussi bien éduquée que l'apprentissage de l'alphabet au CP. Y a quoi de... Oh, voilà, c'est ça, le fail, hein, ben ouais, voilà, hein, l'erreur 404, hein, Rion. Viens voter pour ta sirène, mon bon garçon. Ben ouais, ben ouais. Allez, attends, on va lire le dernier commentaire. Donc, toute la névrose du gauchiste en une image, je peux vous dire qu'il s'en passe des choses dans sa tête à ce moment. Une bonne dose de culpabilité de ce qu'elle pense vraiment au fond d'elle-même, qui sera vite compensée par un beau discours bien pensant pour oublier. Ah bah oui, parfois, écoute, il y a des virtuoses dans le domaine qui te balancent des cathédrales
de bonnes pensées. Donc ici, ah, là c'est moins drôle, rappelez-vous, on avait fait la petite vidéo ensemble, la jeune fille de 12 ans qui s'était fait V par deux mineurs. Donc ici, donc, la petite fille juive à Courbevoie, donc sur les deux V présumés, l'un est d'origine maghrébine, l'autre a un nom français et est converti à l'islam. Aïe, 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 aïe. Celui qui a tordu le piège est d'origine portugaise, aussi converti. Aïe, 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 aïe. Comment est-ce qu'on devrait appeler ça, les gars? Il y a des gentils musulmans, il y a des mauvais musulmans. C'est comme dans tout. Il y a des gentils français, il y a des mauvais français. Mais là, à ce point-là, à l'âge de 12 ans, c'est une part l'éducation, une part l'endoctrinement. C'est extrêmement grave, et dans le tas, donc il y en avait qui avaient 12 ans, apparemment, il ne devrait même pas être condamné parce qu'il a 12 ans. Ça se trouve, il ne paiera jamais son crime, parce que ce n'est pas un délit, ça c'est extrêmement grave. C'est un crime. Et oui, enfin, je ne vois pas d'autre mot que de l'endoctrinement. En fait, il faudrait faire payer les personnes qui l'ont mis dedans aussi. Voilà, il faudrait faire payer tout le monde, et particulièrement les parents, parce que le gars n'a pas reçu d'éducation pour faire ce genre de choses. Cette sinistre affaire résume le projet du Front Populaire LFI, assimilation inversée, l'européenne devant l'assimilation au dogme islamique afin d'être acceptée dans son quartier, grand remplacement. Ok, toujours le même dénominateur commun, converti à la religion de la paix, aïe aïe aïe, ben, ce genre de choses, voilà, c'est clair que ça dessert la religion. Ça c'est clair, hein. Et comme dirait mon père à chaque fois, lui, il aime Jésus et Dieu, tu vois, il croit en Dieu, il croit en Jésus, et pour lui, eh bien, ce n'est pas une religion, pour lui, c'est un chemin, car Jésus a dit, je suis la vie, la vérité, et, attends, je sais plus ce qu'il avait dit, je suis la vie, la vérité, et je sais plus, des trois, enfin, je suis le chemin, la vérité et la vie, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie, et Jésus et Dieu ne sont pas une religion, mais un chemin à suivre. Et c'est pour ça qu'il veut, qu'il fait la volonté de Dieu. Et non pas, il ne suit pas une religion. Donc soumission, ben voyons. Alors, un gamin de 12 ans converti, voilà, waouh, vous êtes fort, on dirait. Donc le gamin connaissait à 12-13 ans tous les préceptes. Ben non, mais justement, c'est ça le problème. C'est ce qu'il en a retiré. C'est ça qui est grave. Bref, passons, parce que c'est une histoire tellement sordide. J'espère sincèrement qu'ils vont faire tomber plat de gens et qu'ils seront tous condamnés à la hauteur de ce qu'ils ont fait, parce que la jeune fille, elle est détruite à vie. Eux, ils vont peut-être faire, même s'ils font 20 ans, les 20 ans vont passer. La jeune fille, dans 20 ans, elle aura toujours le même traumatisme. J'espère qu'elle trouvera un bon psychologue ou coach de vie pour aller mieux. Donc, ici, c'est pour arracher des affiches, il y a du monde, mais pour les foutre à la poubelle à 10 mètres, il n'y a plus personne. Voyons ça, écoutons ça. Et ça rigole en plus. Bon, c'est des jeunes filles. Ah, je vois pas c'est quel parti politique qu'elles arrachent. Bon, le mec qui filme va quand même faire une remarque, j'imagine. Hé, cousine. Par contre, t'as une poubelle là à 10 mètres. Tu peux les mettre à la poubelle aussi. Bon, y'a pas la suite, mais je pense qu'elle sort d'article. Mais Burn à l'avomaltine de sa remarque. Alors, mais je sais pas c'est quel parti politique, de toute façon, je sais pas si c'est de gauche, de droite, bon, on s'en fout, elles ont zéro éducation. En fait, ce qui serait marrant, c'est qu'elles soient écolo. Ce serait marrant. Donc, après, ils se demandent pourquoi ils sont mis en équivalent avec le RN, c'est la même veine d'intolérance et de bêtise. Fallait oser, il y a que la gauche pour faire ça. Le jour où vous comprendrez que ce sont... des cancers sur pattes, le monde entier ira mieux. C'est juste deux gamines qui arrachent des affiches, détends-toi. Ah oui, de toute façon qu'elles sont jeunes, quand même. Bon, quand même, un peu d'éducation, s'il vous plaît. Sinon, vous auriez pu les interpeller. Bah, oui, c'est ce qu'il a fait, les interpeller, pour leur demander de le faire. Mais non, faut faire du buzz. Mais non, mais non, mais non, mais non. Lui, il a pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Faut regarder la vidéo avant de pas... Il y a répondu.
La gauche est fasciste, d'accord. Mort de rire, non. Allez, dernier commentaire, après on arrête ici. Quand elles se feront ouvées par des racailles, les gars, peu importe les racailles, c'est peu importe le statut social, les origines, s'il vous plaît. Elles viendront pleurnicher, on m'a mise dans une cave et j'ai été forcé de... Ah oui, ok, c'était entre guillemets. Si, j'ai eu peur là. Zaza, tu m'as fait peur, son pseudo Zaza. Zaza, oh là là, j'ai eu mes boules qui sont remontées jusqu'ici, je crois qu'on les voit encore, tu vois. On voit un truc là, non, déjà, ça va, c'est parti. Ça t'apprendra à défendre les racailles. Complètement. Donc, les gauchistes et l'écologie, comment dire. La jeunesse gauchiste écolo. C'est quoi ça? Allez, dernier justement, en parlant d'écologie. Ici, nous avons le chercheur Malcolm Ferdinand. Trouve que les écologistes sont trop blancs. Comment faire pour que la pratique écologiste ne ressemble pas à un meeting de l'extrême droite? Écoutons-le, peut-être a-t-il de bons arguments. Combien de fois vais-je arriver dans un meeting comme celui-là et me retrouver l'un des seuls noirs de la salle? J'ai même pas envie d'écouter la suite. Ça te fait quoi qu'il y ait pas de personnes de ta couleur, qui ont la même couleur de peau que toi? Moi, quand je te vois, ça ne me fait rien. T'es un être humain avant tout. Punaise. Aïe. Jou, calme-toi. On avait dit, on prend tout avec légèreté désormais. On est extérieur à la situation. Ce genre de truc. Aïe, ça me fait péter un câble instantanément. Allez, écoutons-le. Ou alors avec quelques-uns qui vous font de la musique, quelques-uns qui vous servent des bières. Et combien de fois vous savez cela? Et ça ne change pas. Comment faire pour que... Non, j'arrête. Stop, c'est au-dessus de mes forces. C'est au-dessus de mes forces. Je peux pas l'écouter. J'y arriverai pas, les gars. Oh là là, lui, il vient de me pomper mon énergie mentale en 10 secondes. Ah, j'y arriverai pas. En plus, je dois faire une seconde vidéo. Aïe. Bon, c'est quoi? Ces gens n'ont qu'à la couleur de peau en tête, ce n'est pas possible. Escrologue. La porte est grande ouverte. En fait, le mec ne parle même pas d'écologie, il fait juste de la propagande victimaire pour l'immigration. Ben ouais. Ouais. Ça va, écoute, voilà frérot, c'est vrai, j'espère que t'as bien apprécié la vidéo. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter, je vais faire une seconde, voilà. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se voit à la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi. Et pour résumer ici, la dernière vidéo que j'ai vue, c'est... Ah, je sais même pas comment résumer ça. T'as qu'à me le résumer pour moi. Allez, peace, et fais très attention à toi.